Bonjour ma Mélodie, tu en as mis du temps. Oui ma chérie, laisse-moi le temps de décrocher, la jeunesse, toujours pressée, ça m'épuise. Oh désolée mamie, j'ai juste beaucoup de travail en ce moment. Ce n'est pas grave, jeune intrépide. Que vas-tu m'apprendre? On va voir pour construire des jeux vidéo. C'est parfait mamie, je passerai demain vers 15h si ça te va. Bien ma chérie, j'en prends note. Super mamie, à demain, bisous. Ah mais vous étiez là, petit cachotier. Donc je pars chez mamie, ensuite je vais au studio et je vous montre tout simplement ce que j'ai pu apprendre. Donc à tout à l'heure les amis. Ici le studio, que puis-je faire pour vous? Bonjour, c'est Hello, j'aimerais accéder au plateau 24 s'il vous plaît. Très bien Hello, je vous ouvre. Parfait, merci Paul. Alors les amis, on se retrouve tout simplement pour une émission sur le coin des gamers. Donc on va pouvoir voir des bornes d'arcade, des chaises, etc. pour avoir un petit univers gamer, bien propre des familles. Donc c'est parti les amis. Donc la première idée est tout simplement une chaise gamer avec un petit écran et comme si là on avait une petite console de jeu et tout. Donc tout simplement, on va avoir besoin d'un escalier. Donc on va mettre un escalier comme ça, hop, à l'envers de chaque côté. On va mettre une petite dalle ici des familles. Là on va mettre un bloc plein et là à l'arrière vous allez aussi mettre un escalier mais comme ça. Hop, et ici vous allez tout simplement mettre un escalier comme ceci, tac, comme ça et... là, une petite dalle, voilà, pour faire votre dossier de bureau. Donc là, on va mettre notre petit levier pour faire notre office de manette de jeu, vous voyez. Donc là, on va avoir tout simplement un petit peu, un petit redstone des familles pour vous montrer un peu le, la manette, en gros, le fil de la manette, quoi, on va dire. Enfin, le fil de la console, plutôt, pardon. Donc là, un petit pilier, un petit muret, quoi, de stone brick. Hop, trois petits bouts de concrete noir avec un petit bouton pour faire le bouton où on allume la télé. Et voilà, on a un petit coin gamer des familles, les amis. Donc voilà pour la première idée. Alors la deuxième idée est tout simplement un jeu, quoi, comme si on avait un flipper, une petite arcade, un truc comme ça. Donc vous allez prendre de la terre cuite, vous allez mettre deux blocs, vous allez mettre une laine magenta et une laine orange par exemple. Hop, un petit levier des familles et ici vous allez tout simplement mettre des rails pour faire illusion dans l'endroit où pourrait bouger une boule, etc. Et on va mettre ici sur les côtés, vous voyez, des boutons pour, juste pour ajouter un peu de relief au niveau du jeu. Et comme s'il y avait des boutons pour pouvoir faire bouger ce qu'il y a là et mettre un petit cadre, voilà, tout simplement. Donc pour cette première idée d'arcade. La troisième idée, les amis, est tout simplement pour faire une borne de Tetris un peu. Donc voilà, on va mettre deux purpures sculptées comme ça. On va mettre un escalier ici. Là, on aura besoin de mettre une petite dalle des familles. Là, on va mettre un petit cadre. On va mettre un petit comparateur comme ceci, hop, comme si on pouvait bouger ce qu'il y avait dans l'écran derrière et tout. Et vous mettez un petit panneau juste pour faire illusion de Tetris, voilà, tout simplement. L'un des plus, les jeux les plus connus, je pense, sur Terre. Donc voilà pour le troisième design, les amis. Le quatrième design, les amis, est tout simplement pour faire un Pac-Man un peu. Donc je pense que c'est assez connu, c'est des jeux assez connus. Donc on va mettre trois blocs sculptés de purpure comme ça. On va mettre tout simplement un comparateur ici. On va mettre un petit time frame, un petit cadre, avec un petit nénuphar. Et on va le tourner pour qu'il y ait la bouche de Pac-Man comme ça. On va mettre deux petites dalles comme ceci, hop, pour pouvoir en laisser qu'une. Et dessus, hop, on marque... Pac-Man, les amis. Et voilà, ça fait illusion d'un petit jeu Pac-Man. Donc voilà pour le quatrième design, pardon, les amis. Donc là, tout simplement, on va voir en cinquième idée, une petite chaise gamer, quoi. Une petite idée de chaise que j'avais pas eu quand je vous ai présenté les sièges. Donc tout simplement, on va mettre une petite dalle de roche, là. Hop, lisse, hop. On va mettre des petites trappes comme ceci. On va passer en dessous, hop, on va... on va actionner la trappe qui est là, pardon, et ici, tout simplement. Hop, et on va y mettre une porte en fer comme ceci. Et sur la porte en fer, on va tout simplement une bannière pour faire une chaise gamer. Donc voilà pour la cinquième astuce, les amis. Donc nous voici pour la sixième astuce qui est encore une chaise gamer, les amis. Donc on va mettre, hop, un petit piston ici, on va aller en dessous, on va mettre un levier, on va l'actionner. Pour éviter de voir un peu le truc un peu moche du piston, je vous invite à mettre des petites bannières, donc de la couleur que vous voulez. Donc j'ai pris le rouge parce que c'est assez vif comme couleur. Au-dessus, on va poser une petite dalle,
Voilà, on va mettre des petites trappes comme ça pour pouvoir faire les accoudoirs. Et derrière, on va mettre deux trappes l'une au-dessus de l'autre pour pouvoir faire le dossier de la chaise. Et on va mettre une petite bannière rouge dessus. Et voilà, la deuxième astuce de chaise gamer, les amis. Alors la dernière astuce est tout simplement celle-ci, donc j'ai voulu vous montrer un peu comment faire une imprimante parce que j'avais pas montré quand on avait fait un peu les PC, etc. Donc on va faire un mur de 7 de long sur 4 de hauteur, donc là on est déjà à 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Hop, on monte tout ça rapidement les amis, hop. On va mettre ici notre petite table, notre petit bureau, etc. Donc avec du concrete noir, j'aime bien, c'est assez sombre et tout. Donc là, tout simplement, on va casser ce bloc, on va poser une petite bannière des familles et on va mettre une petite, un petit, une petite, 1, 2, 3, une petite dalle de quartz, les amis. On va mettre une petite, un petit tapis blanc devant pour faire l'illusion comme si on avait la feuille qui sortait. Et je vous invite pour faire une lampe à mettre une barre de laine avec une tête de squelette. Et voilà pour un petit design. La dernière petite astuce, les amis. J'aime bien, je trouve ça sympathique. Donc après, voilà tout. Donc les amis, on se retrouve pour la fin. Donc dans cet épisode, je vous ai montré pas mal d'astuces différentes concernant un peu l'univers gamer, l'univers PC, etc. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de faire un épisode un peu plus long avec un peu plus de contenu parce que c'est vrai que les deux derniers étaient un peu légers. Donc voilà, je vous laisse là pour cet épisode. N'hésitez pas à donner des retours dans les commentaires. En attendant, je prends beaucoup de plaisir à vous faire cette émission déco. Donc à la semaine prochaine pour la suivante. En attendant, portez-vous bien les amis. À la prochaine. Bye bye à tous. Émission télé présentée par Hello. Vous pouvez également la retrouver sur la chaîne Hello MC. N'hésitez pas.